êtes à la recherche de la plénitude du bonheur, vous avez sans doute l'adresse, c'est l'apéro déjeuner sur les antennes de la télévision nationale du Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est bien mardi, c'est le deuxième jour de la semaine et nous sommes encore au rendez-vous pour vous entretenir. Et nous espérons que vous allez bien recevoir cet apéro qui en tout cas s'annonce très délicieux et qui s'annonce aussi pétillant parce que l'équipe est bien disposée à vous en offrir. Aujourd'hui, jour particulier, jour spécial pour un grand homme qui a tiré sa révérence, Amadou Balaké. Nous allons lui rendre un hommage tout à l'heure au cours de cette aventure. Mais bien avant, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue et permettre à la team également de vous adresser le bonjour très chaleureux. Sandrine Konaté se fera le plaisir justement de vous envoyer son large sourire après un bon séjour passé donc à Kaya, en train de manger le kura-kura ou encore, je ne sais pas tout, de bonnes brochettes. Sandrine, comment tu vas? Oui, je vais bien, je suis de retour. Mais coucou, qu'est-ce que vous m'avez manqué? Oui, je sais, je vous ai manqué aussi. Je suis là, oui, cette fois-ci, voilà, on va durer, on va durer. Nous sommes mardi, deuxième jour de la semaine. L'énergie, la pêche, la bonne humeur, la positivité, vous le savez, c'est ce qui me caractérise. Et cela me caractérise parce que vous m'aimez, cela me caractérise parce que je vous aime. Vous êtes en direct. Restez connectés, le reste, on s'en charge. Moi, à la population de Kaya, vous êtes... Wow. Merci beaucoup Sandrine Konaté, mais rassure-toi, c'est pas tout le monde qui t'aime. Et puis d'ailleurs, il faut bien déjà à côté pour ne pas t'aimer, pour te donner toutes les raisons de vivre bien. Oui. Alors, si tout le monde t'aime, il faut t'inquiéter. Les gens qui ne m'aiment pas, je ne m'en occupe pas. Tout à fait. Je pense que je suis la réponse à ce qu'une manigance. Merci beaucoup Sandrine Konaté. Et nous espérons que tu as passé un bon séjour du côté de Kaya, donc à la faveur de Faso Academy, qui est ce grand rendez-vous en tout cas de musique où l'on découvre également les futurs stars qui vont animer la scène musicale burkinabé dans les années à venir ou pourquoi pas dans les mois à venir. On ne sait jamais, peut-être qu'il y a des candidats déjà qui ont cette fibre là en eux et qui vont sans doute nous produire de belles mélodies dans les jours à venir. J'ai foi parce que beaucoup d'académiciens sont sortis et qui aujourd'hui en tout cas se positionnent assez bien sur la scène musicale burkinabé. Merci beaucoup Sandrine Konaté. Et tout à l'heure donc avec toi, nous allons revenir sur carte blanche et découvrir le thème qui sera abordé avec nos téléspectateurs. Mais avant, Adèle est juste à côté avec une coiffure quand même assez particulière. Hier, c'est vrai que j'ai pas eu le temps d'apprécier cette coiffure parce qu'elle m'énervait, mais aujourd'hui elle est de plus en plus belle, cette coiffure. C'est comme par hasard une coiffure qui n'est pas jolie au départ et que quand les jours avancent, plus les jours avancent, la coiffure devient plus jolie. Alors bonjour Adèle. C'était mes cheveux. T'as tes cheveux. Ça a poussé de la nuit. C'est incroyable. Hein. L'huile de fenugrec. Ouais. Alors, juste rassurer Sandrine sur quelque chose. Sandrine Konaté. Oui. Régis-toi que tout le monde ne t'aime pas. Parce que si tout le monde t'aimait, ça allait être comme Arafat. C'est que tu es mort. Ouais. En Afrique, ici, comme tout le monde t'aime, c'est que tu es mort. Oui, c'est vrai. Donc, du coup, moi, je ne veux même pas faire même. Laissez-moi, je vais vivre mes 100 ans tranquillement. C'est vrai. Et en plus, quand tu n'aimes pas, tu vis longtemps. Exactement. Tu vis longtemps pour embêter les gens. Bon, pardon, je ne veux pas que tout le monde commence à faire des rires. Elle était gentille, elle nous faisait rire. Finalement, elle n'était même pas sérieuse. Finalement, c'était un rôle que je jouais. C'était même pas elle. Peut-être c'est moi un peu. Ok. Bonjour, tu m'avais dit d'ailleurs. Deuxième numéro d'apéro. Très heureuse d'être là ce matin, comme tous les matins. Donc voilà. Oui. Moi, je suis bien heureuse quand même pas à 100%. Mmh. 50% ça me suffit. Même 40% ça me suffit. Je peux vivre longtemps. Parce que, j'ai dit pour moi là, je vais vieillir. Les enfants vont me sortir le matin déposer sur le soleil. Le soleil va me coucher. Vivement donc. Et puis après, maintenant, ils vont me reprendre le soir pour mettre dans la maison. Et tu peux souffler sur je ton sang. Je vais pas piocher tranquillement. Hein. Je vais pas mourir de ça. Merci beaucoup, Adèle. Alors, aujourd'hui, comme tous les jours, exactement, il y a un thème que l'on propose aux téléspectateurs. Ah, oui. Alors, quand tu seras 12h, de quoi allons-nous parler? Alors, quand il sera 12h aujourd'hui, nous allons parler tout simplement de clash. De clash, particulièrement clash. Entre les artistes. Je ne sais pas, d'autres qui ont besoin de parler pour qu'on puisse les voir, les entendre, les comprendre. D'autres aussi qui ont besoin de faire ça parce que il faut que les gens sachent que c'est eux quoi. Que pensez-vous des clashs entre artistes? C'est quoi votre problème? Que pensez-vous de ça? Vous allez lui donner votre avis quand il sera 12h au 25, 33, 32, 55. En français facile, que pensez-vous des artistes qui passent leur temps à s'insulter? C'est quoi? C'est une question de buzz, c'est pour la recherche donc d'une certaine popularité ou d'une célébrité. Dans tous les cas, nous attendons vos appels quand il sera 12h, temps inversé sur le 25, 33.
32 55 pour nous donner votre avis. Sandrine Konaté, retour avec toi pour découvrir le sujet qui sera abordé dans Carte Blanche aujourd'hui. Carte Blanche, oui. On revisite les astuces anti-moustiques, oui. Les anti-moustiques naturelles, avec généralement des ingrédients qu'on a dans nos cuisines. À la maison ou en sortie, vous allez découvrir ou redécouvrir quelques petites astuces qui vont vous permettre d'éloigner la moustique en tout cas de vous et de rester en bonne santé. Donc tout à l'heure. Tout à l'heure avec toi pour le développement. Mika nous rejoindra au cours de cette émission pour jouer avec notre invité du jour qui est un acteur du monde de la culture. Il est sur notre plateau, mais dans un court instant, nous allons donc aller à sa rencontre et beaucoup apprendre de lui. Mais avant, permettez-moi de vous installer musicalement pour respecter la tradition à l'apéro déjeuner. Le rendez-vous donc du divertissement et de l'information. Ne jamais aller au déjeuner, ça marque un temps. L'apéro, vous l'avez compris, c'est le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire, un parcours à compter. Voici donc Delors qui ouvre les portes de ce numéro du jour mardi. Bienvenue à toutes et à tous. Tiri tando, tiri tando, tiri tando, tiri tando.
Retour après ce clip que nous proposait Delor. Ça parle de mariage forcé. Je ne comprends pas la langue sans, mais dans tous les cas, il paraîtrait que c'est pas bien de marier les filles par force, sans même Gonaté. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire. Ah, d'accord. Oui, mais c'est évident que ce n'est pas bien. Laissez les gens faire leur choix. Si ça marche, il y a des gens qui disent que le mariage forcé de nos jours même devrait marcher parce que de plus en plus, quand on choisit son partenaire, on se rend compte que ça ne marche pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut laisser les gens choisir leur partenaire. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, ils auront en tout cas eu une certaine expérience qu'on souhaite en tout cas leur servira pour les prochaines unions. Mais en tout cas, le mariage forcé, ce n'est pas bien. Et je salue au passage, bien sûr, le projet de, du ministère de la femme, le ministère en charge de la femme. Ne m'appelez pas avec madame. Exactement, ne m'appelez pas madame pour vraiment permettre aux petites filles, aux jeunes filles de grandir, d'aller à l'école et d'avoir tout ce qu'il faut physiquement, intellectuellement, mentalement, moralement avant d'entrer dans le mariage parce que c'est une histoire quand même. Hein. Alors, Adèle, est-ce que marier une fille par force aussi pourrait être, comment on appelle ça, un handicap ou peut-être pourrait freiner son cursus scolaire? Bien évidemment. D'accord. Alors, pour moi, marier une fille précocement ou forcée, c'est un crime. C'est un crime. Non, on devrait laisser tout un chacun choisir son partenaire ou sa partenaire. Parce qu'en fait, le mariage forcé ne concerne pas seulement que les filles. Attention, hein. Il y a des petits garçons aussi qui sont obligés de se marier. Donc, suite à la pression de la société. Suite à la pression même de leur famille d'abord, pas la société. Oui, donc, pour moi, ça, c'est un crime. On devrait laisser tout un chacun choisir son partenaire. C'est comme Sandrine vient de le dire. C'est ça. Marché tant mieux, si ça n'a pas marché tant pis, ça fait partie de l'expérience, de l'école, de la vie, ce genre de choses qu'on n'apprend pas à l'université. Donc laissez les gens faire le choix. Nous allons avoir une pensée également pour toutes ces personnes qui en tout cas espèrent un jour rencontrer l'âme sœur, à toutes ces personnes là qui rêvent en tout cas voir la balle passer au doigt. Bon, vivement que Dieu vous fasse rencontrer l'âme sœur et puis que vous puissiez donc être heureux et que ce ne soit pas une mauvaise expérience, hein, surtout une expérience qui va vous amener à revivre d'autres expériences, parce qu'une fois que c'est comme ça, ça devient la vie intéressante. Donc on leur souhaite le meilleur. Le meilleur, d'accord. Et ceux qui sont mariés aussi, qui se cherchent, que Dieu vous aide. Oui, sinon, c'est pas facile aussi. Alors, la team, aujourd'hui, c'est un jour particulier, c'est un jour spécial, c'est un jour qui nous ramène en tout cas à un personnage emblématique qui nous a quittés. Il a tiré sa révérence à 72 ans, 5 ans aujourd'hui, 27 août 2014, 27 août 2019. Il s'agit donc de Amadou Balaké, celui-là qui était surnommé donc la voix d'or. Il a marqué l'histoire de musique malienne et afro-cubaine. À rappel, il est né en 1944 et il a commencé à fréquenter les bons espaces, en tout cas musicaux, de Ouagadougou, tout jeune. Et c'est en 1962 qu'il s'exporte au Mali, où il hérite les nuits d'Amakouaz avec l'orchestre du Grand Hôtel. Son point d'orgue de la carte de sa carrière donc, a été son disque d'or du côté donc, de la Côte d'Ivoire, délivré par la radio-télévision ivoirienne en 1982, date à laquelle beaucoup n'avaient pas encore vu le jour, mais dans tous les cas, l'histoire nous permet de nous rappeler de ce personnage, de cet artiste qui a marqué son époque avec surtout ce titre qui reste intemporel, Taximan n'est pas gentil. Et les filles s'en souviennent également, n'est-ce pas, Sandrine? Mapuka Baya, ça c'est la chanson qui passe à l'ambiance. Bah, c'est vrai, comme tu le disais, un artiste, les artistes ne meurent pas. Et moi, je garde vraiment de bons souvenirs de lui. Je ne l'ai pas vraiment connu parce qu'à l'époque, j'étais très jeune. Mais je me souviens en fait de ce que ça faisait aux parents, aux adultes autour de moi quand ces clips passaient à la télévision nationale. C'était un artiste qui avait beaucoup d'énergie, un artiste qui avait beaucoup à offrir. Je ne l'ai pas connu, mais quand j'écoutais les amis et tout, on me disait qu'à la fois, il était très généreux.
c'était quelqu'un qui donnait de sa personne, quelqu'un qui était tout le temps là à l'écoute des jeunes et aussi partager son expérience avec eux. Il est parti, il laisse un héritage à nous, la jeune génération, de bien conserver cet héritage-là afin de le pérenniser. Alors, que son âme repose en paix, ses œuvres sont disponibles. On peut continuer à consommer sans modération parce que ce sont des chansons intemporelles et permettre aussi à la famille qui est là de pouvoir vivre aussi de ça. Merci beaucoup Sandrine pour ces gentils mots adressés donc à notre Balaké national voire international. Alors qu'est-ce qu'on peut aussi savoir de Balaké en ce qui te concerne? Alors moi je retiens que c'est un papa vraiment très généreux. Moi j'ai tout simplement envie de dire une chose. Un artiste ne meurt jamais. Papa tu n'es pas mort, tu es toujours là avec nous. Voilà, on va s'amuser sur ma tête. Dis-moi hommage donc à Balaké. Allez-y, dansez, prenez du plaisir en tout cas à revisiter le répertoire très riche de cet artiste, de cette icône de la musique africaine. Et pour qui, mesdames et messieurs, nous avons marqué donc le temps pour lui rendre exactement hommage. Et aujourd'hui, nous avons la chance également d'avoir sur notre plateau un acteur du monde de la musique, Burkinabé, qui également va se prononcer sur cet artiste, sur cette icône. Il est donc avec nous. Prenez du plaisir. On écoute un peu le son, quelques temps, et juste on revient après. On peut pas voir la base. Arrêtez le massacre s'il vous plaît. Arrêtez le massacre, bravo les filles, arrêtez le massacre, arrêtez le massacre. C'est vrai qu'avec Balaké, on ne peut pas se retenir, il faut se laisser emporter. Et je pense que les filles ne se sont pas fait prier, elles se sont laissées donc emporter. Oui, Adèle. Oui, alors en fait, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à mon cœur, à mon amour. Pili, Pili chérie, bon anniversaire. Pardon, bon anniversaire à toi ma chérie. Donc le show ce sera tout à l'heure. Alors, joyeux anniversaire donc à ta chérie et puis qu'elle se porte bien et que vivement nous puissions donc aller couper le gâteau et puis... Le déguster. Moi je mange pas le gâteau. Ah oui? J'aime bien le couper mais je ne mange pas. Tu coupes mais tu manges pas. Non, tu coupes, tu me donnes pas. Coupe et il décale. Alors, merci beaucoup. Allez, c'est parti pour installer notre invité à présent. Tranche de vie, c'est maintenant. Nous sommes de retour sur le plateau pour accueillir notre invité. Je le disais tout à l'heure, mais demander de présenter ce personnage est une chose très difficile quand on sait le nombre de casquettes qu'il porte. On ne pourra que dire simplement que c'est un acteur pluridisciplinaire, un homme de cœur, un homme très humble, un homme au service de la grande famille artistique, toujours à l'écoute des uns et des autres, un monsieur qui prend le temps d'analyser avant donc de se prononcer. Il est le président des managers professionnels de musique. Il est avec nous sur ce plateau dans Tranche de vie. Avec lui, il sera question donc de revenir sur le temps fort de sa jeunesse et également de ses activités qu'il mène aujourd'hui. Ibrahim Zerbo, alias PDG, c'est lui que nous recevons. Bonjour grand frère. Bonjour Jackie, bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis le salon. C'est un plaisir et un honneur d'être là. C'est encore plus un honneur pour nous parce que nous savons que nous avons essayé quand même de vous avoir sur ce plateau. Et il y a quand même un bout de temps, mais continue de votre programme très chargé. C'est vrai que ça a été tout le temps renvoyé. Aujourd'hui, c'est enfin le jour. Et nous en réjouissons de savoir que nous allons passer un bon temps en votre compagnie. Le plaisir est partagé parce que c'est un honneur pour moi d'être sur ce plateau. Donc tout le monde rêve d'être là, parce que depuis un certain temps, l'apéro c'est vraiment le top niveau, tout le monde en parle. On le suit depuis nos salons, nos bureaux, donc c'est un honneur pour moi d'être là et d'échanger avec vous. D'échanger avec nous, merci beaucoup. Alors, Ibrahim Zerbo, alias PDG, PDG c'est un nom que l'on connaît très plus dans le milieu justement que Ibrahim Zerbo. Beaucoup même allaient me dire qui est Ibrahim Zerbo. Alors, PDG, ça vient d'où? C'est PDG de quoi?
PDG. On sait que PDG, c'est le diminutif du président, directeur général. À moins qu'il y ait une autre définition. Ouais, c'est la même définition, il faut le dire. PDG, c'est un titre qui est devenu un surnom et qui met collé à la peau aujourd'hui. D'accord. Tout commence en 2000, quand on est étudiant à l'Université de Ouagadougou, voilà, en département de sociologie. C'est l'époque où le hip-hop était en vogue, où la musique Bougrabé prenait, était vraiment sur toutes les lèvres, tout le monde écoutait. Donc avec des amis, on a décidé de monter un label de production. On est étudiant, c'est parce que c'est qu'un label. On a dit, mais écoute, il faut qu'on crée un business à nous, un label qui va faire la promotion des étudiants du campus. Donc là, avec mes amis, notamment So et autres, là, on s'est dit, bah, écoute, le label va s'appeler, on trouvait le nom, bah, écoute, le label va s'appeler Afrique Image. Donc en 2000, j'ai créé le label Afrique Image. Et j'ai dit, toi tu es le SG, toi tu es X et moi je suis le PDG. Parce que il faut rêver grand et je vais être un PDG et je suis le PDG de ce label-là. Un label qui a été créé pour, pour quel objectif exactement? La promotion des artistes du campus, la promotion événementielle au campus, voilà, et même au-delà, puisque nous étions chacun de mes membres était délégué d'une cité universitaire donnée. D'accord. Donc, en même temps, j'étais délégué culturel de ma cité, qui est la cité universitaire de la Padoue, dans les années 2002, par là. Donc, du coup, le label est né comme ça et on faisait nos petites activités. Donc là, on arrive en classe, toujours à l'université. Et j'étais très bruyant à l'école, à l'université. Avec mes amis, mais derrière. Actuellement, vous êtes plus sage. Plus sage, avec le temps, on devient sage. Donc, nous sommes assis là et ça bavarde, ça crie. On dit, mais qui parle là? Tout le monde crie, c'est PDG. Et donc, PDG, c'est devenu un surnom qui m'a collé à la peau jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais à la base, c'était le PDG d'Afrique Image. Mais qui aujourd'hui est devenu sûrement un nom que tout le monde emprunte. Et en même temps, je dis, bon Dieu, merci, je suis toujours PDG parce que c'est le PDG de mon entreprise qui est Global Mood Consulting. Oui. Voilà, donc, et que devient Afrique Image? Afrique Image, bon, on l'a créé à haut. Bon, écoute, après, à M. Galbert, qui également a créé le même label avec le même nom. D'accord. Et bon, on a dit, bon, écoutez, lui, donc c'est comme ça qu'on a dit à Galbert, ben, pour continuer le business Afrique Image. Parce que nous, c'était dans l'amusement qu'on a créé la chose sans penser à long terme. Mais en même temps, lui aussi, il a trouvé le nom qui était beau. Peut-être par hasard, il a trouvé le nom beau et il a créé son label. Et après, quand on a été rencontrer le monsieur, on a dit, mais nous, c'est nous qui avons créé Afrique Image. Quand nous étions étudiants, voici nos documents. Mais c'était juste des documents écrits. Mais bon, un monsieur très sympa qu'on a rencontré, à qui j'ai dit un bonjour au passage. Et on a dit, bon, écoute, je suis l'un des pères fondateurs d'Afrique Image, mais c'est toi qui gère le business aujourd'hui. Même si je n'ai pas le pourcentage dans ce business Afrique Image, bon, je laisse ça comme ça. Parce que je suis le père fondateur de la chose. C'est comme ça les choses ont évolué. Les choses ont évolué. Mais voilà, c'est le sujet. À l'université, c'est vrai que vous avez dit que vous avez créé ce label donc, pour promouvoir les artistes du campus. Alors, donc, déjà. Étant étudiant, il y avait déjà cette fibre là, cet amour pour la musique qui était déjà en toi. Alors d'où te vient cela? Est-ce que parce que tu viens, tu es né à Ouagadougou ou tu es né à Abidjan? Bon, il faut dire que je suis né à Abidjan dans les années, on va en sixième dans les années 92-93. Et là, c'est le zougou, c'est le hip-hop. Nous, on est plus hip-hop parce qu'on est urbain, donc on est plus hip-hop, on aime le rap. Donc là, avec des amis qui chantent, qui font tout, nous, on les suit. Je les suivais, mais je n'avais pas la voix pour chanter. Donc du coup, quand on va à des événements, c'est moi qui suis devant toujours, qui cale les choses. Ça s'appelait, c'était le métier de manager que j'ai pratiqué sans le savoir, sans savoir que je faisais ce métier. Et bon, c'est resté comme ça. Moi, j'aime bien la chose, pas un événement culturel, je suis toujours là. Je ne chante pas, mais je suis toujours en train d'organiser les choses. Voilà. Donc du coup, on arrive au campus, on rêve de faire le showbiz parce qu'on rencontre des personnes. Et ma chance à moi, c'est qu'une fois arrivé à l'université de la Padoue, on me dit à un monsieur qui était là qui s'appelle Walid Barra, l'actuel DG du BBDA, Walid Barra, qui faisait le showbiz, qui est dans l'événementiel. Donc approche-toi de ce monsieur. Il dit, ah, bon, c'est une chance pour moi alors. Je cherche à rencontrer le monsieur, il dit, ah, grand frère, moi, bon, je suis un petit, je veux faire aussi le showbiz comme toi, quoi. On m'a dit que tu fais la chose. Il dit, oui, petit frère, oui, suis-moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre le pas de ce monsieur. Je suis resté dans son nom avec le label Wagadjam. Bon, d'abord, étant délégué culturel de la cité universitaire de la Padoue, j'avais le contact avec certains artistes qu'on invitait à la cité universitaire pour nos balles de fin d'année, que ce soit les artistes étudiants ou les artistes de la scène publique, voilà, qu'on invitait pour nos balles de fin d'année, qui venaient nous soutenir. Donc c'est comme ça, petit à petit, bon, l'amour aimé. Et je rencontre Walid Barra qui me permet de faire ma première formation en management en 2004 grâce à Waga Hip Hop. Et de là, le déclic est parti, le label Wagadjam est né, j'intègre avec, toujours près de ce monsieur, toujours dans son nom, avec qui j'apprends les 10 métiers de ce, les 10 métiers du management. Bon, on se forge nous-mêmes, on apprend auprès de ce monsieur, et après, bon,
chacun, on a notre petit carnet d'adresses qu'on essaie de développer et mettre au service de tous. Voilà un peu ma petite histoire. Une très belle histoire, on dira, et qui n'a pas, qui s'est pas arrêtée, mais sitôt, parce que plus tard, M. Ibrahim Zerbo va donc aller poursuivre ses objectifs, et puis surtout, cette envie de pouvoir se réaliser. Et donc, on voit plus tard la naissance donc de l'AMBF. Est-ce qu'on peut revenir sur l'histoire de cette association ? Parce que nous allons beaucoup parler de cette association dans laquelle il y aura beaucoup de problèmes. J'imagine déjà. Oui. Alors, comment est-ce que est née l'AMBF? L'AMBF, il faut le dire, c'est l'association des managers professionnels de musique du Burkina, qui est née le 8 février 2009, je pense bien. C'est né à la suite d'une formation triennale qu'on a faite avec... organisé par la mairie de Ouagadougou, en partenariat avec la ville de Grenoble en France. D'accord. Donc du coup, il était question de réunir un certain nombre de managers pour, à qui il fallait dispenser ces modules de formation. C'était sur 3 ans, une formation triennale sur 3 ans, de 2007 jusqu'en 2007, 8, 8, 9, 9, 10 par là, qu'on a terminé la formation. Donc c'était un noyau qu'il fallait former afin de mettre à disposition des artistes. Donc j'étais le plus jeune du groupe à l'époque, je pense bien, c'était, on avait Commandant Papus, on avait Wally Barra, on avait Baker. On avait King Syriac, on avait... on était nombreux quand même, mais j'étais Costa, mais j'étais l'un des plus jeunes parmi ce groupe-là. Et à l'issue de cette formation, les aînés ont décidé qu'il fallait qu'on unisse les forces afin de créer une association pour mieux faire connaître notre corps de métier qui n'était pas connu. Faire connaître mieux notre corps de métier et également former d'autres élèves afin que chaque artiste quand même puisse disposer d'un manager. Parce que nous sommes sans ignorer qu'au Burkina Faso, les statistiques du BDA nous parlent de 4 à 5 000 artistes inscrits au BDA. Mais aujourd'hui, les managers disponibles pour travailler avec ces artistes ne sont pas nombreux. Donc l'objectif premier de l'association, c'était de créer, se mettre en union afin de mieux se former, mieux comprendre les enjeux du marché et transmettre notre savoir à d'autres générations. C'est comme ça que l'AMPM est né dans les locaux du commissariat de Koundé qui à l'époque était à Koulouba. Donc moi, le premier président, c'était Commandant Papus. Avec le vice-président à l'époque, Wally Barra, et moi je suis le secrétaire général, toujours le secrétaire général de ce bureau-là. Et lorsque les choses ont évolué, après, on est passé à un second bureau où, à l'unanimité, on m'a porté à la tête de ce bureau en 2013. Donc depuis 2013, nous conduisons ce bureau avec nos amis, nos collègues, et puis bon, on essaie toujours, avec ce bureau, de dispenser toujours des formations à ces jeunes qui arrivent là, de partager nos expériences qu'on a reçues des anciens, de tout ce qu'on apprend aujourd'hui, qu'on essaie de transmettre toujours aux jeunes. Donc l'objectif principal de l'association, c'est un peu ça, voici un peu la genèse de la création de l'association, s'unir, mieux défendre nos intérêts, faire connaître davantage notre corps de métier, afin que les gens puissent savoir que derrière un artiste, il y a toujours un manager qui existe. Voilà, et on a un producteur, on a un artiste, on a un manager. Il faut qu'on sache que c'est un corps de métier intégrant de la filière musique qu'il faut considérer. Parce que beaucoup se lèvent et disent, écoute, je connais Adèle Ramba, artiste, je l'appelle directement. Mais l'oblique est derrière Adèle Ramba, il y a un corps de métier qui existe que le manager, qui autour de lui, il y a plusieurs personnes qui travaillent afin qu'Adèle Ramba soit à la lumière. Donc c'est un peu ça notre fonction. Alors, est-ce que malgré l'existence de cette association, M. Ibrahim Zerbo, il y a encore des managers qui n'ont pas bénéficié des modules de formation et qui exercent sur le terrain? Si, il en existe toujours parce qu'il faut le dire, au Burkina Faso, il n'y a pas d'école spécialisée en formation de management artistique. On l'a tous appris sur le tas. Et à travers la formation pendant certains festivals tels que Ouagadougou Pop, qui était l'un des pionniers en cela, le ministère de la Culture en son temps qui avait fait des formations, des privés qui organisent, des festivals qui organisent. Donc du coup, vous savez que tout le monde ne va pas vers les formations. Ceux qui veulent, quand on va être professionnel dans un métier, là où on entend qu'il y a une formation, allons nous inscrire, apprenons toujours. Aujourd'hui, avec le digital, la toile, chacun s'est dit, je tape là, je sais ce que c'est qu'un manager, personne liée par contre, un artiste, ça me suffit largement pour exercer le métier. Certes, oui, mais le terrain a ses réalités que l'écrit ne nous apprend pas. Donc, le contact avec les autres nous donne certaines aptitudes que, forcément, l'écrit ne nous apprend pas. Donc, on ne vous dira pas seulement que les meilleurs, c'est ceux qui ont appris sur le papier, les meilleurs peuvent apprendre sur le tas. Mais en toute chose, il faut savoir concilier les deux afin que le comportement qu'on doit avoir envers l'artiste doit être un comportement de franchise. Il faut qu'on ait une équipe autour où on communique, où on est franc les uns envers les autres, où la confiance doit être absolue. Parce qu'un artiste qui confie sa carrière à un artiste, c'est basé sur la confiance absolue en premier. Le travail ne fera que le reste.
Lorsque l'union est dans un couple, comme on le dit, l'artiste manager, nous formons des couples. Lorsque l'union est dans ce couple-là et que l'entente, la franchise et la communication prime, c'est sûr que nos visions seront communes et on ira où on veut aller. Alors, Monsieur PDG, est-ce qu'un manager qui n'est pas membre de votre association, l'association des managers professionnels de musique du Burkina Faso, est confronté à un problème sur le terrain? Est-ce que vous, en tant que président ou en tant que responsable de cette association, est-ce que vous avez le droit ou vous pouvez intervenir pour pouvoir résoudre le problème? Bien sûr, c'est notre droit absolu parce que nous sommes comme, c'est comme un père de famille. Qui voit l'enfant d'autrui s'égarer et l'obligation de le ramener sur le droit chemin. L'enfant d'autrui, c'est-à-dire, puisqu'il n'est pas membre de l'association. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est l'image que je donne, l'enfant d'autrui qui s'égare, on le ramène toujours sur le droit chemin. Vous pouvez ne pas être membre de notre association, mais dès l'instant où on apprend que vous avez un conflit avec un artiste, on essaie de comprendre, de voir s'il y a une médiation qu'on peut faire, on entame cette médiation. Parce qu'au-delà de tout, c'est le mot manager qui est en jeu, c'est le mot artiste qui est en jeu. Alors que nous sommes deux entités unies pour la vie. Donc, par conséquent, dès l'instant où on apprend que X ou Y est en déphasage avec son artiste ou son manager, on essaie de comprendre le sujet, on appelle, on écoute, on donne des idées, comment concilier afin que le problème se résolve et que toutes les parties soient gagnantes. D'accord. Donc c'est notre rôle absolu. Que vous soyez membre de notre association. Parce que l'objectif pour nous, c'est que chacun vienne vers nous. Mm-hmm. Donc, comme vous savez, nous sommes une profession libérale où tout le monde n'adhère pas forcément à l'association. Même quand vous créez une association, à la base, vous êtes, dit, vous êtes 100, mais après vous restez 5 seulement. Le reste, ils s'en foutent parce qu'ils ont d'autres choses dans la tête. Mm-hmm. Mais notre objectif à nous, c'est de ramener tout le monde à la grande maison afin que un problème de X et le problème de Y et qu'on puisse le résoudre tous ensemble. D'accord. Voilà. Au revoir. Allez donc pour cette dernière question avant donc de passer à une rubrique qui peut permettre également aux filles de s'entretenir avec toi. Mm-hmm. Alors Ibrahim Zerbo, le bon manager pour vous en tant que président de l'association des managers professionnels de musique, est-ce celui qui récupère un artiste qui est déjà au sommet ou est-ce celui qui prend un artiste et qui est dans l'ombre et qui travaille donc à mettre l'artiste sous le feu des projecteurs? L'un dans l'autre, tout le monde est meilleur. Le meilleur pour moi, c'est celui qui applique... celui qui applique la déontologie, celui qui applique la règle qu'il a appris, celui qui est, qui communique avec son artiste, celui qui arrive à imposer son artiste. On peut être au sommet de son art et avoir un manager qui vous ramène plus que ça. Comme on peut avoir un manager aussi qui vous ramène vers le bas. Non, vers le bas, tout ça, ça se discute. Pourquoi nous allons vers le bas? Parce que je le dis, la relation artiste-manager, c'est un duo qui réfléchit ensemble pour aller de l'avant. Mm-hmm. Lorsqu'il y a une faille quelque part, ça peut être la faille peut-être soit au niveau du manager, due à une réaction de l'artiste, tout comme de l'artiste, due à une réaction du manager. Mais ensemble, on doit trouver toujours qu'est-ce qui n'a pas marché, reconstruire et aller de l'avant. Mm-hmm. Tout comme il y a certains managers qui ont pour aptitude de dénicher des artistes depuis le bas, les forger une image, les fabriquer et les proposer à la lumière. Et d'autres viendront récupérer cet artiste-là et l'amener à une échelle plus élevée. Donc c'est un travail d'échelle que chacun abat. Donc du coup, dans la déontologie donc du métier du manager, il y a également des lignes rouges à ne pas franchir. Certains managers sont arrivés à franchir ces lignes. Dans votre métier également, vous avez également organisé des activités, notamment les causeries musicales et autres. Nous reviendrons juste après pour développer tout ça avec vous. Et merci surtout d'avoir accepté notre invitation. C'est l'heure pour nous de nous entretenir avec Sandrine Konaté, dans carte blanche, qui en tout cas avec éloquence sera encore nous donner des astuces. Il faut vous munir de votre calepin et de votre stylo. Installez-vous sur votre canapé avec un verre d'eau ou un verre d'apéro, comme vous voulez, comme vous m'entendez. Ou si vous êtes déjà à table, ce n'est pas bien grave. Ne vous empêchez pas de prendre note parce que ce qui est dit ici est très intéressant. C'est ça aussi l'information. C'est ça aussi la qualité de l'apéro que nous vous servons au quotidien, du lundi au vendredi, sur la télévision nationale de Burkina Faso. Sandrine Konaté, carte blanche, c'est maintenant. Nous allons tous prêter une attention particulière à la Konaté qui nous vient de Kaya. qui vient d'arriver de Kaya. On va parler de moustiques. La saison est propice aux moustiques. On sait très bien que pendant la saison, cette saison d'hivernage, il y a plein de moustiques à la maison. Donc je vous livre quelques idées des anti-moustiques naturels qui vous permettront de vous débarrasser de ces moustiques, que vous soyez à la maison ou hors de la maison, c'est-à-dire en sortie. On va commencer avec la maison. À la maison, il n'y a pas de remède miracle. Il faut commencer par
assainir son environnement. C'est très impératif. Tant que l'environnement n'est pas sain, quelles que soient les astuces, les remèdes naturels ou pas que vous allez utiliser, ça n'aura aucun effet. Donc, assainir son environnement. Éviter de déposer des eaux stagnantes. Nettoyer la maison de fond en comble. Il faut que ça sente vraiment la propreté. Le tas d'herbes qui se trouve devant la porte, il faut penser à tout herber parce que, à tout désherber parce que c'est un véritable nid de moustiques. Vraiment faire attention à son environnement. Ça, c'est l'astuce et le remède le plus important. Deuxième, on va parler ici du clou de girofle et de l'orange. L'orange aussi, on peut le remplacer par le citron. Voilà, orange ou citron, on prend les clous de girofle, on pique, comme vous le voyez à l'image, on pique là-dedans, on découpe l'orange ou le citron, on prend les clous de girofle, on pique et on dépose dans certains petits recoins de la maison. Non seulement ça va diffuser un parfum agréable à respirer, mais ça a le pouvoir aussi de chasser tout ce qui est moustique et aussi les éphémères. On sait que quand il pleut, le lendemain, il y a des petits insectes qui s'invitent à la maison, tels que les éphémères. Les éphémères, en moro, on appelle ça les c'est délicieux ce truc. Je vais y penser pour on mange quoi, ouais, un de ces vendredis, on va voir comme ça la période. Ça me rappelle des voilà. Choses, ouais. Donc le clou de girofle, vous prenez, vous piquez sur l'orange ou le citron et vous déposez dans les recoins de la maison. Je disais que ça a un parfum délicieux, vraiment agréable, mais ça a le pouvoir aussi de chasser les éphémères et tous les autres insectes et bien sûr les moustiques. Toujours à la maison, ici on va parler d'encens. L'encens, ça va se faire avec les feuilles d'eucalyptus qu'on va sécher ou les feuilles de laurier. J'avais déjà parlé des vertus de laurier et aussi des feuilles d'eucalyptus. Comment est-ce qu'on procède? C'est comme l'encens qu'on utilise généralement pour la maison. On prend quelques braises de charbon et on met les feuilles d'eucalyptus ou les feuilles de laurier à l'intérieur. Le parfum, c'est comme le clou de girofle. C'est très délicieux, c'est très agréable et aussi ça va permettre, ça va repousser les insectes et aussi les souris. Donc vous pouvez le faire et non seulement les feuilles de laurier ont la vertu d'apaiser et vous allez vous sentir bien. Pour hors de la maison, quand on sort, on sait aussi que quand il pleut, on a souvent envie de se retrouver entre amis le soir et les moustiques s'invitent et ce n'est pas très intéressant. On va prendre en sortie un peu de citron, c'est toujours bien de l'avoir sur soi et on va le découper. Si vous supportez la peau du citron, vous pouvez frotter sur les jambes ou les parties exposées. Dans le cas contraire, c'est juste le dos, la partie externe du citron que vous frottez sur votre peau et le parfum va pousser les moustiques. Bien sûr, quelques petits conseils pour terminer. Il ne faut pas sentir trop bon, surtout les parfums qui sentent la fraise et tout ça. Ça interpelle les moustiques. Il ne faut pas sentir non plus la transpiration. Il ne faut pas sentir ni trop bon ni trop mauvais parce que les odeurs fortes attirent les moustiques. Bien sûr, il faut dormir sous une moustiquaire imprégné et au passage on salue le gouvernement qui a distribué des moustiquaires. Ce n'est pas pour la décoration, c'est pour bien sûr se protéger contre les moustiques et ainsi éviter le paludisme. Merci beaucoup Sandrine Konaté et au passage nous allons également dire à ces moustiques qui n'ont plus de respect pour l'espèce humaine de se méfier parce que j'ai l'impression même que lorsqu'on porte même un jean, ils arrivent même à te piquer sur le jean. Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ces moustiques, mais point, ça ne doit pas être de moustiques. De l'impolitesse. C'est la technologie. De moustiques, ouais, c'est voilà. Les moustiques de la nouvelle technologie. La nouvelle génération. De la piqûre. Exactement. Et de la caresse. Caresse, ça pique surtout. Oui, ça caresse pour moi. Ça. Puisque ça t'annonce d'abord. Lui fait caresser, vous voilà, donc, désormais. Donc, il faut donc mettre en pratique ces recommandations et vous allez voir que vous allez vivre paisiblement, tranquillement. Alors, nous sommes de retour avec notre invité, Sandrine Konaté. Nous allons donc te permettre plus tard donc d'intervenir. Déjà, Adèle, qui a préparé un questionnaire, je ne sais pas trop. Mais bon, on est tout à toi, Adèle.
Moi, j'ai préparé un questionnaire, mais tu as déjà posé la plupart des questions. Donc, je n'aurai plus beaucoup de questions à poser. Oui, alors, bonjour Ibrahim Zerbo, PDG. Moi, avant de commencer tout propos, je tiens à te dire bravo. Bravo parce que tu as su prendre des artistes qui étaient complètement dans l'ombre et tu as transformé, tu as fait deux des stars burkinabé et même voir au-delà du Burkina. Je dis vraiment félicitations et chapeau bas pour le travail abattu. Merci. Alors, est-ce que moi ce que j'aimerais savoir, et aussi le citoyen lambda, hein, le manager dans une entreprise privée, genre de comptabilité ou de je ne sais quoi, est-ce que c'est le même manager dans le show business? Est-ce que c'est exactement le même lien? Le manager en entreprise dans le milieu du travail, hein, est-ce que c'est le même manager, c'est la même chose, c'est les mêmes pratiques que dans le show business? Oui, pratiquement c'est la même pratique parce qu'il faut le dire, pour nous, l'artiste est une entreprise. Artiste, entreprise, le manager normal, qu'il soit le manager comme dans une entreprise normale, qui cherche à développer ce produit artiste-là, qui cherche à travers toute stratégie, imposer cet artiste-là, trouver des dates pour l'artiste, soigner l'image de l'artiste, développer tout ce qui concourt à faire de l'artiste ce qu'il est, afin que ce produit puisse plaire au public, afin que ce produit puisse se vendre et s'acheter comme il se doit. Donc le rôle d'un manager dans une entreprise, appliqué au monde artistique, c'est pratiquement la même fonction qu'on a. Donc je crois que l'un dans l'autre, c'est toujours la même chose. Parce que notre devoir à nous en tant que manager d'un artiste, c'est quoi? C'est comme une entreprise, il faut véhiculer une bonne image de l'entreprise, il faut permettre à l'entreprise de prospérer, il faut permettre à l'entreprise de conclure de nouveaux marchés, de nouveaux parts de marché. Quand on applique un artiste qui commence à conquérir son quartier, l'objectif du manager, c'est qu'il arrive à conquérir sa ville, son village, sa communauté, sa capitale, son pays, sa sous-région, c'est l'international. Donc c'est tout le même, c'est pratiquement le même cheminement qu'on utilise également pour travailler autour d'un artiste donné. Non, je crois que... Genre, le manager dans l'entreprise peut être un manager d'artiste et le manager d'artiste peut aussi être le manager d'artiste. Un manager d'artiste bien formé en entreprise, il s'en sort. Maintenant, en plus de ça, il faut qu'il y ait encore d'autres aptitudes de l'entreprise qui doit inculquer, qui doit apprendre puis aller de l'avant. Tout comme un manager d'une entreprise donnée, il viendra avec beaucoup de théories, mais en plus de cette théorie, là, il faut qu'il applique la pratique du terrain qui diffère d'une situation à une autre. Voilà, manager une entreprise X et puis l'appliquer à un artiste, il faut savoir intégrer ces paramètres du terrain également aussi, qui font que vous serez meilleur. Ok, alors tu disais tout à l'heure que s'il y avait conflit entre un manager et un artiste, toi ou vous, enfin dans votre votre association, vous essayez d'approcher les deux, essayez de comprendre la situation et essayez d'accompagner les deux pour ne pas que le conflit aille loin. Justement. Est-ce qu'il ne vous arrive pas très souvent de prendre parti, genre ah non, lui c'est le manager, l'artiste on s'en fout, et puis prendre parti pour le manager et du coup bloquer l'artiste que son manager précédent aurait dépeint comme quelqu'un de mauvais, intenable, tous les superlatifs possibles? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne vous est pas arrivé de prendre parti pour le manager et laisser tomber l'artiste? Non, en fait, nous sommes dans un monde où notre devoir à nous et de ne pas prendre parti, mais plutôt d'arriver à concilier. Parce que quand on va en médiation, quand vous avez un parti pris, il n'y a pas de médiation. Nous, on rencontre les deux parties, on écoute, on vous fait asseoir. On se dit, vous avez commencé un projet ensemble, allez jusqu'au bout. Si on ne peut pas aller jusqu'au bout, on se sépare à l'amiable, et chacun est libre de continuer son chemin. On souhaite bonne chance à chacun de vous, afin que chacun continue son chemin. Donc, on n'a pas pour devoir ou obligation de maintenir l'autre dans le noir afin que l'autre puisse aller de l'avant. Mais très souvent, après cette médiation, l'artiste se retrouve oublié et écarté des scènes. Non. Qu'est-ce qui... Oublié et écarté des scènes. Non, parce qu'un artiste... Est-ce qu'il y a un exemple concret, Adèle? Non, Adèle, ce que je veux dire, je comprends là où Adèle veut venir. C'est pour vous dire simplement, Adèle, que... Non, on se comprend, mais je vais vous expliquer. Adèle, je vous explique simplement que un artiste qui travaille avec un manager aujourd'hui, qui n'est plus son manager, mais qui trouve un nouveau manager pour développer sa carrière. Si l'artiste retourne dans l'ombre et n'est pas avec l'équipe autour de lui, mais tout produit qui est dans l'ombre, tout produit sur lequel on ne communique pas, s'oublie. Appliquons à tous les domaines de la vie. Aujourd'hui, on a le digital, on a la télé classique, on a les médias classiques toujours. On a un produit dont on ne parle pas, ce produit s'oublie.
Bon, un artiste qui est en conflit avec un manager, vous vous séparez. Le manager, il va travailler avec un autre artiste. Mais vous, artiste, vous pouvez travailler avec un autre manager. Vous trouvez une équipe de communication autour de vous pour communiquer sur votre produit et vous vendre. Mais lorsque vous retournez, vous retournez dans votre petit coin, mais normal qu'on vous oublie. Est-ce la faute à son manager? Je ne pense pas. Est-ce la faute à qui? À celui qui, peut-être autour de vous, ne fait pas son travail, peut-être. D'accord. Qui doit faire son travail. Ou vous-même, l'artiste, dites-vous que, ben, écoute, je commence à... Parce que l'objectif, quand on travaille ensemble, c'est comme un couple dans un mariage. Quand ça ne pense, je ne sais pas. Chacun va refaire sa vie. Est-ce pour autant que parce que l'autre fait sa vie, il est heureux que moi, il m'empêche de faire ma vie? Non, il t'empêche pas. Il y a d'autres, hein? Non, je ne pense pas. Ils sont heureux, mais qui empêchent l'autre d'être heureux. Alors, je ne pense pas, Adèle. Ça, c'est la on-dit. Je ne pense pas. Alors, quelqu'un laisse quelqu'un pour. Oui, moi, ce que j'aimerais savoir, raconte dans les coulisses au fait que tu as tes petits gars qui sont autour de certains artistes. Okay. Et quand il y a les gombos, vous distribuez les gombos et puis nous autres. Waouh. Comment ça se fait? On nous confie des pouvoirs hyper, je ne sais pas quoi. Souvent, c'est ça. Enfin, les gens exagèrent. Pour moi, la seule condition pour un artiste de jouer quelque part, c'est la qualité de produit qu'il propose. C'est tout. J'estime que... Ah, donc tu reprends les propos du ministre. Non, pas les propos du... Ce que je veux dire simplement, au-delà de la qualité de produit que vous proposez, le marketing que vous mettez autour du produit. Puisque le manager a imposé le produit de l'artiste, c'est même s'il n'est pas de qualité. Justement, c'est ça. Qu'est-ce qu'on appelle qualité? La qualité diffère d'une oreille à une autre. Ou bien? Et c'est au manager de l'imposer. Justement, ça, c'est le rôle du manager d'imposer son artiste comme il se doit. Moi, je suis payé par mon artiste, parce que je travaille avec un artiste, mon salaire est déduit de ce spectacle et j'ai obligation par jour de me réveiller et de réfléchir comment est-ce que l'artiste doit jouer X ou Y sur X ou Y plateau. Ça, c'est mon devoir à moi. Si je n'ai pas fait, j'ai failli et je peux être renvoyé pour ça s'il le faut. Et prendre Jackie, qui est meilleur. Je n'ai rien à voir. Oui, et prendre Jackie qui est meilleur que moi et travailler Jackie, c'est comme ça. Maintenant, pour revenir à ce que Adèle a dit tout à l'heure, non, le monsieur. On organise un événement. Dans les coulisses, hein. Les coulisses restent toujours là, les coulisses. Parce que les coulisses, ça c'est toujours, ça c'est normal. Tout à l'heure, quand je voyais quelqu'un me disait, non, mais écoute, je sors mon album, je ne joue pas. Je dis, mais je ne te connais même pas là-bas, cher ami. Oui, je ne te connais pas. Comment vas-tu connais si j'ai un plateau, je te propose, si je ne te connais pas. Ok, c'est pas mon devoir de te proposer, moi. En tout cas. Trouve-toi un manager, une équipe de toi, pour travailler à te proposer. C'est comme le manager d'une entreprise X. Mais Y, c'est bien que toujours c'est vous qui vendez vos produits et nous on va prendre nos produits. Non. Mais, ah non, ça n'a pas de sens. Oui, ça n'a pas de sens. Ça veut dire à chaque artiste, entourez-vous d'une équipe, entourez-vous des communicateurs, faites un travail et vous verrez que vous allez vous imposer toujours et qu'on va vous demander. Souvent nous sommes là, on vous appelle, ok, on veut proposer des artistes. Mais vous allez proposer un éventail d'artistes. Je travaille sur des événements où mes artistes ne jouent pas. Et c'est nombreux. Parce que ton artiste ne colle pas avec l'événement. Je ne peux pas l'imposer parce qu'elle ne colle pas avec l'événement. Et les événements où je travaille, mon artiste joue. Ça c'est normal parce que ça colle avec l'événement. Voilà, celui qui commande là, celui qui guide. Il dit je veux X, mais amène-moi X. En gros, ce n'est pas comme un baobab où il y a beaucoup de branches. Toi, tu n'es pas comme un baobab où il y a beaucoup de branches. Ou quand il y a gombo, ça ne va pas plaire à X. Enfin, un tel ne colle pas, mais il y a un tel qui va coller parce qu'il y a mes petits qui sont avec un tel. Non, non, je n'ai pas le petit. J'ai des collaborateurs, j'ai des amis. En gros, enfin, c'est pour parler en français terre à terre dans le milieu, quoi. Genre des collaborateurs, des amis à qui... À qui je passe des marchés. Passe des marchés. Non, mais j'ai quel marché pour passer à quelqu'un? J'ai mon entreprise avec mes artistes, nous tournons. Chaque jour que Dieu fait des événements, vous verrez des affiches où chaque promoteur appelle l'artiste qu'il veut parce qu'il répond aux normes de son événement. Ça, on ne force pas. Il y a aussi des artistes qui ne collent pas à l'événement, mais qui sont sur la fiche. Mais c'est qui? Mais c'est le promoteur qui l'a voulu parce que c'est lui qui le veut. C'est une commande. C'est une commande. Je vous donne un exemple. On veut faire un concert au Sénaza. Et que j'essaie de parler en tant que promoteur d'événements en allant au Sénaza, il me faut X. C'est X que je veux, j'amène X. On me propose Y, mais Y ne colle pas parce que ce que je veux faire au Sénaza, je paye X pour remplir mon Sénaza. On me propose Y, mais Y travaille à atteindre ce stade pour que je le prenne aussi. Donc je crois que chacun a son marché. On a des artistes qui tournent dans les provinces, qui s'en foutent des marchés de la capitale. Non, les Wagalais ne les connaissent pas. Ils ne les connaissent pas. Tout comme les artistes qui, aujourd'hui, sont dans la capitale, ils ont leur part des marchés. Ils sont seulement dans la capitale. Oui, mais ils s'en foutent de ce qui se passe en province. Chaque artiste, en créant, doit savoir quelle est ma part des marchés, qu'est-ce que je vise. Et avec votre équipe, vous développez la stratégie pour atteindre ce projet-là et ce but-là.
Mm-hmm. Voilà. On verra qu'il y a des artistes qui sont toujours d'actualité. Pourquoi? Parce que leur création est d'actualité. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que leur communication est d'actualité. Pourquoi? Parce que le monde, la population est pour ce qu'ils font. Où on est, fait que chanter sa langue de journée. Mm-hmm. Vous allez voir à la maison, votre fils chante une chanson que vous ne connaissez pas, mais vous êtes obligé de l'écouter et de prendre ça en compte. Mm-hmm. Ça, c'est clair et net. Moi, je crois qu'il n'y a aucune mafia autour. La seule mafia pour moi, c'est travaillant seulement. Et chacun a sa part de marché. C'est tout. La seule mafia, c'est de travailler parce qu'il y a une grosse part de gâteau pour chacun. Chacun a sa part. Chacun peut venir. Donc, laissons les rumeurs. Laissons les rumeurs. Travaillons. Trouvons des stratégies. Ayons des chargés de communication. Ayons des managers. Faisons leur confiance. Discutons en équipe. Ayons des visions communes. Et on va déplacer les montagnes. Une autre façon pour le PDG Ibrahim Zerbo de nous rappeler qu'un artiste, un manager, en tout cas, il va s'attendre à un miracle. Ah, c'est ça. Le miracle, ça existe une fois dans l'année, et si 1 million, l'équipe au tour. Le seul miracle dans la vie, c'est le travail. Si on dort, on attend que le miracle se produise, il va jamais se produire. C'est comme une équipe de football. On a 2 joueurs qu'on prend dans les championnats, je ne sais quoi, qui viennent, qui se retrouvent sur un terrain. Mais il faut un coach pour les guider. Ils ne peuvent pas s'auto-guider. Il faut un coach autour. On a beau être les meilleurs, quel que soit l'immensité de l'état, il faut un coach pour tout. Il faut quelqu'un autour pour... Pendant que l'artiste crée, le manager vend. Mm-hmm. Bon, on ne peut pas être créateur et vendeur. En tout cas, c'est difficile. C'est difficile. Alors, Sandrine Konaté, réaction avec toi. Ibrahim Zerbo, tu parlais tantôt de ton expérience, de comment est-ce que tu es arrivé dans le métier. Tu es passé à l'école de certains élites. Mm-hmm. Et aussi, je t'écoutais parler de votre association qui a pour objectif, entre autres, d'aider la jeune génération, transmettre des expériences et des connaissances pour pouvoir amener le showbiz loin. Si. La jeune génération, les nouveaux managers aujourd'hui, est-ce qu'ils viennent vers vous, les doyens, si je puis dire ainsi, pour des conseils ou est-ce qu'ils vous voient comme des concurrents, de peur que vous ne preniez leurs artistes? C'est ça la grosse difficulté. Beaucoup nous voient en concurrents et pourtant nous sommes complémentaires. On doit partager les expériences avec les uns et les autres pour aller de l'avant. J'ai pris mon exemple. J'arrive à la cité, pardon, mais avant toi, il y a un gars qui était là qui s'appelle Walid qui est dans le showbiz. Je lui ai dit, mais je m'en fous de lui maintenant. Je vais à son école. À l'école, je vais à l'école de commandant Papus. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je continue de côtoyer ces messieurs parce que chaque fois que je cause avec eux, j'apprends toujours quelque chose. Mais les jeunes sont dans les coins, chacun se dit, bon, avec le digital, Facebook, j'apprends tout, je connais tout, je peux vendre mon article, je peux tout faire. Certes, mais allons-y toujours auprès des uns et des autres pour apprendre, comprendre comment le monde fonctionne et essayer de se tracer son chemin. Là, je crois qu'à ces jeunes-là, je dis toujours que nos portes sont toujours ouvertes. Tous les managers que vous voyez, leurs portes sont ouvertes. Appelez-nous, venez vers nous en vous donnant les conseils qu'ils se doivent. La preuve, on a initié des sessions de formation avec des jeunes managers. On a formé une trentaine de managers à Ouaga ici. On a été à Kourougou, on a été à Bobo-Dioulasso. Tout ça, c'est dans un esprit d'échange, de partage avec eux, afin que ce qu'on a appris, ça n'a pas resté pour nous, ça doit être pour tout le monde. On vous apporte ça gratuitement, afin que vous puissiez à votre tour également, dispenser et apporter ça à vos artistes ainsi qu'à ceux que vous entourent. Donc, on demande toujours à ces jeunes managers de nous approcher, nos portes sont ouvertes. On est là pour dispenser ce qu'on sait. Parce qu'on est en tous embarqués dans le même bateau. Si ça coule, tout le monde coule. Donc, c'est dans l'union qu'on aura la force d'avancer. Donc, venez vers nous et ensemble, on vous guidera comment encadrer vos artistes, comment être performant, afin que vos artistes soient performants également, afin qu'il n'y ait pas de business, tout ça pour éviter. Avant de te laisser poursuivre, Sandrine Konaté, laisse-moi peut-être rebondir par rapport à une situation donc des managers qui passent leur temps sur le digital, pensant que c'est la seule façon pour eux de faire la promotion de leurs artistes. Et je comprends maintenant pourquoi on a plusieurs artistes qui sont en prestation sur les réseaux sociaux. De plus en plus, on a des artistes qui jouent beaucoup sur les réseaux sociaux, mais jamais sur les scènes physiques. Voilà, et après on dira que c'est nous qui avons... c'est nous qui les empêchons de s'exprimer. Non, on n'empêche personne de s'exprimer. Chacun choisit son canal. Tu es star sur Facebook, tu es sur Facebook. Tu es star dans les galas, dans les spectacles, tu seras star. Voilà, maintenant si tu veux considérer les deux pour être star dans les deux, tu peux les considérer avec la manière. Mais l'un dans l'autre, il faut que chacun sache, en venant dans le showbiz, qu'est-ce que je veux. Nous avons été à l'école, on a nos diplômes, on aurait pu être dans un bureau comme directeur des ressources humaines parce que je suis sociologue de formation. Bon, on a décidé de mettre ça à profit des artistes. On a décidé de prendre tout ce qu'on a appris à l'université, dans nos formations de management et autres, de capitaliser et mettre tout ça autour d'un artiste qui est une entreprise pour nous. Aujourd'hui, nous, dans notre équipe, nous sommes combien? Avec l'Amazon Group, on a près de 5 personnes qui travaillent autour de Malika. Par exemple, que je dirais... Malika serait-elle un projet pour Ibrahim Zerbo? Mais c'est un gros projet pour nous.
D'accord. Parce que ça vous coûte beaucoup plus. Est-ce que entre manager, il vous est déjà arrivé de vous disputer un artiste? Je ne parle pas de manager, toi, doyen, et puis un jeune manager. Si. Non, mais entre vous, des doyens, toi, et je sais pas, je prends un exemple comme ça, Wally Barra ou Commandant Papus, ou, c'est juste des exemples. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, il vous est déjà arrivé de vous disputer un artiste? Disputer, c'est-à-dire? Et comment? C'est-à-dire vouloir vous arracher. La vouloir vous arracher. Vous allez voir, c'est moi. Non, je pense que ça, on se connaît tellement tous que, on se parle tellement que, on arrive toujours à se comprendre et à voir qui, non. Un peu, au contraire, on se conseille sur certains artistes. Ok, X veut travailler avec moi, comme un homme pour toi qui après travaille le X, qu'est-ce que tu penses? Quel conseil tu peux me donner? Oui, je travaille X, voici ses forces, ses faiblesses. Attends de savoir capitaliser ça pour mieux travailler avec lui. Et bonne chance à toi. Donc, c'est ce qu'on se souhaite en fait. Mm-hmm. Au contraire, nous sommes dans la même corporation, dans le même bateau. Et lorsque X veut travailler Y, bon, on se parle franchement. C'est vrai qu'il y a des écarts qui arrivent, mais c'est minime. Mais on essaie toujours de recadrer ça. Ce qu'on vise toujours, c'est qu'on se parle entre nous. Et c'est ce qu'on fait toujours. Ok, je veux travailler X. Toi qui as travaillé plus, qu'est-ce que tu en penses? On se donne les bonnes idées afin que ça puisse prospérer. Parce que si ça marche pour toi, ça va marcher pour tout le monde. Et c'est l'honneur de tout ce qui est en jeu. D'accord. Allez, pour t'oublier, Sandrine, rapidement. Oui, pour ton artiste, Malika, et pour d'autres artistes aussi. Aujourd'hui, quand on parle de showbiz, il y a le buzz et tout ça dedans. Comment est-ce que tu fais avec ton artiste pour qu'il n'y ait pas de buzz négatif? On sait que sa vie ne peut pas être aussi parfaite, aussi, voilà. Mais comment est-ce que vous faites pour qu'il n'y ait pas de buzz négatif, même pas un petit faux pas de ton artiste qui naît? Non, quand on voit Malika, c'est toujours, voilà. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, ce n'est pas sa personnalité, je ne sais pas. Mm. Mais je me dis qu'en tant qu'être humain aussi, il y a des petits faux pas aussi qui nous arrivent de faire, mais ce n'est pas médiatisé. Comment est-ce que tu t'arranges à gérer ça? Tu veux que je donne des secrets? Tu veux que je donne des secrets en antenne? Non, mais ça veut dire simplement que, comme je l'ai dit, tout est une histoire de base et de construction. Okay. J'ai en face de moi une artiste, Malika, qui écoute, qui comprend. Je suis sûr que mon téléphone qui a été en ce moment, elle m'envoie 5 SMS à ce moment pour me poser des questions. Ça, c'est son travail, parce qu'on communique beaucoup. Il y a X, je vais faire X, qu'est-ce que tu en penses? Non, fais pas ça, fais comme ci, fais comme ça. Mm-hmm. Parce que lorsque l'artiste ou le manager communique à longueur de journée, on évite beaucoup de soucis. Mm-hmm. Parce qu'on se comprend, on se donne des idées, des conseils, et on avance. Mais lorsque l'artiste ou le manager ne communique, lorsqu'il y a un gombo, là, il y a un problème. Et c'est là qu'on a affaire à les sortir. Là, parce qu'on se connaît pas. Il faut connaître son artiste. Connaître son artiste. Savoir où l'artiste est. Qu'est-ce que l'artiste fait à l'instant T? Communiquez franchement entre vous. Qu'on se dise tout. Facilement, on évite les soucis. Mm-hmm. Je vais aller ici, non, en allant, voilà ce que tu dois faire. Mm-hmm. En allant là, voilà ce qu'il doit faire. Mm-hmm. Autour d'elle, elle a une chargée d'image qui s'occupe de son image. Mm-hmm. Avant de sortir, la chargée d'image, je leur dis, ok, on va jouer dans tel endroit, voici le public auquel on s'attend. Okay. La chargée d'image, c'est quelle tenue elle doit porter et comment elle doit se comporter sur scène. Mm-hmm. Chacun a un rôle bien précis à jouer autour d'un artiste. Donc, à chacun d'avoir ça autour de lui. Sinon, quand on laisse l'artiste à lui-même et on ne se voit que lorsqu'il y a des événements, c'est sûr que Dia, aujourd'hui, il a commis beaucoup de gaffes qui se retrouvent sur la toile et c'est vous le manager qui a payé le prix. Mais il faut savoir au jour où je suis l'artiste et comprendre et mieux son fonctionnement. Si l'artiste désobéit. Alors, là, c'est compliqué. Alors, Wally Diabo, on sait également que dans votre milieu, on ne peut pas te recevoir sans bien sûr aborder ce sujet. C'est vrai que c'est un sujet qui est d'actualité, notamment donc le clash entre deux managers qui font partie également de votre famille, l'association si, de si, managers. Si, 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 si. Il s'agit donc de Abdoulaye Tapsoba et puis de Taf manager autour de l'artiste Maya. Si, si. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Vous, en tant que président de cette association, vous avez sans doute été saisi. Alors, si. Non, je dirais simplement que c'est... somme avec cette histoire. Non, cette affaire est réglée. Je D'accord. peux vous le dire. C'est une incompréhension entre trois parties. Mm-hmm. Voilà. Et je crois que c'est des amis de longue date qui, avant d'être manager, c'est des amis qui ont travaillé tous chacun autour de l'artiste. Et aujourd'hui, il y a des bisbis, mais on a essayé de régler ça. Dieu merci, tout est rentré en ordre. Mm-hmm. Je peux vous rassurer que les deux amis ont enterré la hache de guerre. Et finalement, Miss Maya revient à qui? Miss Maya, à ce niveau, je ne sais pas avec qui elle a signé un contrat pour le moment, mais je crois qu'elle était sous contrat avec CAF, qui ils ont rompu le contrat. Et là, Abdoulaye Tapsoba lui donne
donne un coup de main, c'est ce que voilà, qui lui donne un coup de main. Tout comme chacun de nous, c'est comme on l'a dit, on a obligation d'accompagner un artiste, même si l'artiste ne travaille pas avec un manager. Mais tout ça se fait dans les règles de l'art, dans l'entente, à l'amiable, afin que aucun des parties ne soit lésé ou senti frustré. Donc je crois qu'on est des grands garçons, on a échangé longuement sur ce sujet-là, et on s'est dit, écoute, mais nous ne sommes pas emportés par nos passions, parce que j'ai apporté X à Y et aujourd'hui on n'est plus ensemble, non. Mais pensons à ce qui nous arrive demain. Demain, on peut toujours collaborer ensemble, on a vu des exemples comme ça, où je travaille X aujourd'hui, demain on n'est plus ensemble, mais dans tout cas, on peut travailler ensemble encore. Voilà, donc ça peut toujours arriver, donc ça veut dire qu'on est dans un milieu où on est toujours prêt à apporter ce qu'on sait. Mais le rôle d'un manager, c'est de toujours aider tout artiste qui l'approche, afin que cet artiste aille de l'avant. Donc CAF l'a compris, Appel l'a compris. Au niveau de l'association, on l'a tous compris et on leur souhaite bonne chance dans cela et bonne chance à surtout Miss Maya. On sait que chacun d'eux va toujours l'aider dans sa carrière. Oui. Voilà. Alors, PDG, l'association mène de grandes actions, notamment le Cosilier Musical qui est l'une des actions phares de l'association. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui avec ce Cosilier Musical? Parce qu'il y a eu quand même deux éditions ou trois, je pense. Et après, c'était Silence Radio. Qu'est-ce qui se passe? Silence Radio, parce qu'il fallait faire le bilan des éditions passées puis mieux réorienter les avec l'évolution actuelle de notre musique, de la filière, des enjeux qu'il y a aujourd'hui. Donc je crois que très bientôt on va revenir encore avec de nouveaux sujets. D'accord. Parce qu'il faut le dire, le digital prend de l'ampleur. On a le numérique qui est là aujourd'hui, on parle du streaming, on parle des téléchargements, on parle de les tonalités téléphone ou le ringtone. Donc on a pas mal de nouveaux sujets qu'on va essayer de développer avec cette nouvelle causerie-là. Donc on prépare la nouvelle saison bientôt en septembre, où on va décliner tous ces programmes et vous serez prioritaires. On viendra vous informer. Merci pour l'honneur, monsieur Ibrahim Zerbo. Oui, Adèle, pour terminer avant de recevoir Mika. Alors, Ibrahim Zerbo, est-ce qu'on peut dire tel artiste, c'est tel manager qui peut le ou la manager? Est-ce que tu peux regarder un artiste ou une artiste dire non, celle-là, ou bien celui-là, si c'est pas un tel, je suis sûr que si un tel prend celui-là ou celle-là. Si, ça peut arriver. Parce que chaque manager a sa sensibilité. Ok. Mais quand tu me regardes, Kenzo est bon pour toi. Kenzo est bon pour toi. Alors, il y a aussi des managers comme ça charismatiques. C'est. Qui, par moment, en tout cas, font parler d'eux. Comment vous faites pour collaborer, Kenzo et toi? Oh, effectivement, on me pose pas chaque fois la question, mais écoutez, on est quand le show, le ferons toujours ensemble, on sait comment se comprendre, et puis bon, ça devient tiède, quoi, voilà, quand le show en face du frère devient tiède, quoi. Donc, est-ce qu'il vous arrive souvent, Ibrahim Zerbo, de vous emporter contre un manager, contre un de vos collaborateurs, vous fâcher sérieusement, et puis monter le ton? Oh, monter le temps, c'est très rarement, mais quand ça ne va pas, on trouve rapidement des solutions. C'est vrai que dans les rapports humains, c'est les choses qui arrivent souvent, mais rapidement, il faut éteindre le feu parce qu'on est des grandes personnes. On a plus de 15 ans, je dis qu'on a plus de la trentaine, donc il faut savoir être plus sage et puis faire comprendre à l'autre que X acte que tu as posé n'est pas noble, on essaie de se corriger rapidement, on passe à autre chose, quoi. Malika est de plus en plus dans les actions humanitaires. Est-ce une autre façon du staff donc de conduire la carrière de l'artiste, ou bien qu'est-ce que vous êtes en train de voir? Vous êtes à la recherche donc de, comment on appelle ça encore, partenaire, sponsor, je sais pas. Non, il faut le dire, c'est une suite logique de la vie de l'artiste elle-même d'abord. C'est une suite logique de sa propre vie. Vous avez assez d'argent pour distribuer la parole? Non, on n'en a pas. Je vous raconte une histoire, on n'en a pas. Parce que c'est une vie d'abord de l'artiste. Elle, à la base, c'est une fille qui est telle, qui donne beaucoup. Pas parce qu'elle en a beaucoup, mais elle a un cœur qui lui permet de donner. Okay? Donc, l'histoire de la fondation est partie du fait qu'en tant qu'individu, elle est accostée par la personne à qui elle aide beaucoup. Là, on a réfectionné l'hôpital pédiatrique de Bobo Dioulasso. Lorsque le docteur m'a contacté, il m'a dit, monsieur Zerbo, on veut que votre artiste. Il dit, mais pourquoi mon artiste? Non, parmi tant d'autres, c'est elle qu'on veut. Il dit, mais on n'a pas d'argent. Il dit, vous avez de l'argent. Parce que sa vie même, c'est de l'argent d'abord. Donc ça m'a glacé automatiquement. Quand une grande personne vous dit ça, ça veut dire que l'argent, ce n'est pas le pécunier qu'on a, mais c'est votre vision de la vie. Parce qu'on sait que vous avez une vision qui est très riche, qui peut apporter beaucoup à l'humanité. Nous, aujourd'hui, on s'est dit, il faut mettre en place une fondation afin que chaque spectacle qu'on a, le peu qu'on peut mettre de côté pour aider d'autres, c'est toujours bon. Donc, du coup, on est dans ces actions humanitaires afin d'aider les démunis, les orphelins, les personnes vulnérables, aider tout le monde en fait. Okay. C'est pas parce qu'on en a beaucoup qu'on donne, mais on pense que plus
donnons, chacun de nous peut donner le peu qu'il a à qui il aura acquis le droit, afin que ça puisse soulager certaines personnes. Merci beaucoup, PDG Oui. Tu sais que les coulisses racontent beaucoup de choses. Hein. Ah oui, les apparemment, coulisses. Il y a un gros contrat à coût de millions qui arrive là. Un bon. Ah oui. Mon Dieu. Tu vas enlever un peu pour moi. Inch'Allah, non, même toujours. La fondation donne toujours. Ah, c'est devenu même une fondation. Ça veut dire une fondation. C'est fondation Slamazou. Une fondation, il faut avoir de la ressource. La ressource, c'est la personne d'abord. D'accord. Malik a toutes les ressources. Nous sommes les ressources. Jacques a toutes les ressources. Jacques fait un partenaire de la fondation. C'est chaque fois qu'à la fin du mois, tu passes à la caisse de la RTB. D'accord. Tu donnes 10% à la fondation. D'accord. Ça nous arrangerait. Parce qu'on fait la levée de fonds. Si chaque fois, Sandrine Konaté passe aussi à la fondation. Surtout elle. Elle passe à la fondation pour élever un peu. Moi, c'est en démuni. D'accord. Merci beaucoup, VNG. Nous allons donc recevoir Mika pour la suite de cette émission. On va jouer avec toi à présent. C'est le puzzle. Maintenant avec Mika. Bonjour Mika. Bonjour Jackie. Ça va? Oui, ça va. Pourquoi tu me demandes ça comme ça? Sandine, pardon pour m'aider. C'est une question. Pourquoi tu réponds comme ça? C'est vrai, je n'étais pas encore parlé. Ah, oui, mais Jackie m'a donné l'autorisation de répondre, donc... Non, en fait, c'est sérieux. Gagne-moi. Laissez ça. Laissez quoi? Merci Jackie. Alors bonjour la team, chère invitée, fidèle téléspectateur de la Poro. Bonjour, bonjour. Il me tardait vraiment de vous rejoindre. Étant samedi, c'est vrai, mais je sais pas. Il me tardait de vous rejoindre. Vous me manquiez. Vous me manquiez, donc c'est ce que je disais. Vous me manquiez. Eh bien, c'est le temps de la Poro. La Poro donc qui vient continuer d'apporter cette bonne humeur qui n'est propre. Voilà, et c'est le temps du jeu, cher invité. J'espère que vous êtes encore avec nous. Ah oui, l'esprit. Oui, d'accord. Alors, ça va aller. Encore le temps de quelques minutes et puis voilà, je suis à vous. Voilà, donc je disais que le jeu, ça va se passer en images. Voilà, vous allez essayer de deviner qui se cache dans un puzzle dans un premier temps. Okay. Ensuite, qui est en train de chanter tout simplement après qu'on ait écouté une chanson tous ensemble ici. Il a fait des chansons. Je vous écoute. D'accord, donc alors pour l'image, c'est à l'écran que ça va se passer. On attend l'image. Voilà, l'image est là. D'accord, qui ça peut être? Qui peut se cacher derrière son nom? À votre avis? Parce que là, je ne vois pas, parce que le cadrage, le noir, ben écoute, Ah non. Ça reste ma sœur, ça. Une tenue qui... Je crois qu'il aime se saper aussi. Hein. Il est connu pour sa sape. Commandant Papus. Aïe. Comment ça? Ah, c'est le commandant. Ok, d'accord. Bravo, c'est le commandant. C'est le président. Quand est-ce que le commandant va? C'est le commandant. Comment ça se fait? Je parle de sape et direct, il passe au commandant. Non, ça c'est le commandant. Oui, c'est sûr, c'est le commandant. Il dit, c'est le commandant. C'est du commandant. D'accord, effectivement, c'est du commandant. C'était lui. Oui, c'est vrai. Ça me dit 10 points. Mika 0 points. Non, mais c'est sur un point, donc tu peux pas voir. Ah, ok. Bon, il répond qu'il mérite 10. C'est ça qu'il faut. Oui, parce que la mais regarde, appelle le cadrage noir, je dis c'est comment. Non, arrête, quand même. Non, le match est plié. Non, il connaît trop bien le monsieur, franchement. On va rester avec tu. Un point là. Ok. Donc je maintiens mes un point. Voilà, un point. J'ai gagné. Mais Jackie, tu vois ce que moi j'ai envie de lui demander. Il paraît que un manager, quand il entend un son, il arrive à savoir tout de suite si ça va donner, si ça ne va pas donner. Quel est le secret? Est-ce que c'est un flair naturel ou bien qu'est-ce qui se cache derrière? Comment on fait pour définir? Même n'étant pas à sa place, je me demande bien comment il va répondre à ça. En fait, le manager est dans l'environnement musical matin, midi, soir. Mm-hmm. Il écoute, il apprend, il connaît la sensibilité des uns et des autres. D'accord. L'artiste, il crée
forcément, il peut être en déphasage avec le public, pour le manager peut le guider. D'accord. Tout comme l'artiste peut créer, ou le manager impose cette création au public. Donc, du coup, même dans l'autre, l'oreille fine nous permet de guider nos artistes dans leur création. Dire, telle phrase, elle est mal placée, il faut peut-être rajouter cette phrase-là qui peut accrocher. Mais cette mélodie, je pense que si on la joue autrement, ça peut accrocher. Le clip, telle image. Voilà, telle image qu'on peut zapper. Qui permet déjà augmenter le nombre de vues sur YouTube. Justement, c'est ça, c'est ça. Justement. L'un dans l'autre, on est conseillé. Le premier conseil de l'artiste, c'est nous, le manager, donc par conséquent, on peut le guider dans sa création sans pourtant dénaturer la création. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Donc, c'est en gros, c'est son travail. C'est pas le flair, c'est le travail. C'est le, en même temps, le flair aussi. Hein. Il faut le flair. La manager pour le flair. 30 secondes, il sait que ben, ça, c'est le demandant au commandant, par exemple. Ça, 30 secondes, le commandant sait où ça, oui, lui, où ça va. Quoi. Ça va. Ouais, il faut pour ça. Ah, si, il y a des managers qui vraiment le flair. Quoi. Oui, d'accord. Bah, pour revenir un peu au commandant, hein, tout le monde le connaît, commandant Papus, Ismaël Zongo, c'est ça. Et il a commencé comme animateur radio. Aux côtés de gens comme de grands noms comme Mascotte, la radio multimédia, je pense. Oui, il animait l'émission Wagascope. Ça comme ça, Sandri, c'était le nom. Wagascope, voilà, qui était une scoop. Ah d'accord, autant pour moi. Wagascope, l'écriture souvent. Donc, qui était une émission de jeunes d'information. Après, il va faire un peu de publicité avant de se retrouver à CEDO Production comme communicateur. Et c'est là qu'il va vraiment faire son entrée dans le showbiz. Et aujourd'hui, il est connu comme l'un des requins justement de ce showbiz-là. Manager producteur de grands noms comme. Dans certains milieux, parce quoi? Que le requin. Non, mais pas moi, je dis que c'est dans le sens positif, hein. C'est dans le bon sens. Okay. C'est pour dire... Non, il ne mange pas. C'est pour dire qu'il est, il donne à manger. Merci. Il s'impose. C'est un nom qui impose, voilà, qui injecte, voilà. Tu permets. C'est vrai que quand on entend parler de commandant Papus, on pense tout de suite que c'est le monsieur de tous les excès. Je confirme, c'est le monsieur de tous les excès, mais de tous les excès positifs. Quand on le voit, on se dit tout de suite que c'est la boisson, le sexe et tout ce qui va avec, mais c'est tout à fait le contraire. Tout à fait le contraire. C'est quelqu'un plutôt qui donne. Il a une générosité sans pareil. Exactement, sans pareil. Il est tout le contraire de ce que les gens pensent. Oui, oui, oui. Les cheveux sont en train de pousser. On a beaucoup à savoir sur comment on va plus. C'est une école. Comment on va plus c'est une vraie école. Voilà. On va parler encore plus de ce monsieur. C'est pas bien grave. Alors, on va passer à la deuxième partie du jeu. Voilà, donc on va écouter une chanson. Et cette fois, il va deviner qui chante, tout simplement. La rythmique, quand ça a commencé la rythmique, j'ai pensé au gars des États-Unis là. Parce qu'il y avait un single que j'ai écouté sur la toile de jour. Mais c'est ça, c'est le bingo. Tu as fait un gros succès en son temps. Oui. C'est un artiste que j'admire bien. Oui, on profite un peu de la capitale. Si j'aime bien ça. Vas-y. Vous allez avoir tout le temps de chanter après. C'est fini pour les gens qui prennent des mots. Bravo. Nicolas, tu as 0 points. Et je pense qu'il est là pour nous. Bravo PDG, et je crois que le téléphone est déjà ouvert. Alors Sandrine Corrette donne les cartons à notre invité. Pendant ce temps, nous allons attendre donc la réaction de nos téléspectateurs. Mika, on va te souhaiter une très belle journée. Oui, je rappelle rapidement. Pensez-vous des clashs entre artistes? Que pensez-vous des injures, des mots méchants entre artistes? Vous nous donnez votre avis juste après le coup fatal. Voilà. Tu choisis un carton. Tu lis la question à haute voix et puis tu réponds. La question. Recevez vos choix, tu t'en suis d'abord.
C'est mon ami qui nous a mis à faire la question. Parce qu'il a prévu ça et c'est ça qu'elle a. Non, tu poses la question. Une femme svelte, une femme qui a les attributs des rondeurs, laquelle préfère-tu? Vous nous foutez au gros camion. Quand même. C'est le gros camion. Le camion, comment? On préfère les femmes avec les rondeurs. La femme avec les rondeurs. Mais bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est ça la femme. Ah, bah moi je suis pas. Non, c'est une femme. Le bonheur réside dans la chair. J'ai pas de chair. Mais c'est pas beaucoup. Non, c'est pas une noire. Si, si. Si, si, non, non, bah, pour être plus sérieux. Chaque être humain, chaque homme a ses préférences, ses goûts, bah écoute. Mais c'est pas mon préféré, mais c'est un gros camion. Ah. Ma femme est ronde. Pourquoi on les appelle même gros camion? Bon, c'est Mini Cooper Gros Camion, ça c'est le jeu de mots que les gens ont trouvé si bas, ben écoutez. Mais nous, moi là, on l'appelle comment? C'est Mini Cooper. Mini Cooper. Ah, quelqu'un en ligne déjà, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va bien chez vous. Oui, ça va bien, merci. Comment ça s'appelle? Ouais, c'est vraiment depuis Gounet. Vraiment, notre filet de depuis Gounet. Ça va bien, vraiment, bonne journée de mardi, on t'écoute. Oui. Merci, ça va aussi. Ça va bien, merci. Non, moi je vais détruire les articles de classe, moi je pense que c'est bon, c'est commercial quoi. Commercial, d'accord. Voilà, c'est juste pour le beurre. Ok. Il y a des articles qui savent même si n'allient pas de certaines choses, mais il est ok, alors voilà. C'est pour le buzz, d'accord. Merci beaucoup moi, vraiment pour ta contribution de ce temps. Merci beaucoup. Allez, prends soin de toi et à très bientôt. Alors, PDG, reviens avec toi par rapport donc à cette taille, parce que vous parlez également de peinture, du 60, du 45. C'est quoi exactement? Puisque ce sont des expressions que l'on retrouve très souvent dans votre environnement. Ne me laissez pas dévoiler nos secrets ici. C'est que si... Personne n'écoute. Le monde nous écoute. Il y a ceux qui aiment les femmes sveltes. C'est un choix. Voilà, Adèle Ramba, toute belle comme ça. Sandrine, toute belle. Et il y en a qui aiment... Encore un peu plus que la lesbienne. Encore quelques années. Bonjour. Allô. Allô. C'est toi, Amiro. Oui, Candidate. Voilà. Comment vous allez? Monsieur Amiro nous appelle depuis quelle localité? Ouagadougou. Ouagadougou. D'accord, la capitale. Bienvenue à l'apéro des jeunes. On vous écoute. Oui. Et pourquoi les artistes aiment se coucher? Pourquoi les artistes se clashent sur les réseaux sociaux ou pas enfin, pourquoi les artistes, certains artistes, pas tous les artistes, hein, pourquoi certains artistes se clashent, s'insultent et se manquent de respect? Oui, un problème de compréhension. Un problème de quoi? De compréhension. Ah, okay. D'accord. Compréhension. Mm-hmm. Allô? La communication n'est pas très bonne, peut-être qu'il va nous revenir. Pendant ce temps, Drabo nous rejoint. Bonjour Drabo, comment est-ce que ça va? Ben super bien, d'accord. Voilà, il y a choc quoi. Voilà, il y a choc, il y a choc. Voilà, toute la team quoi. Ça voilà. D'accord. Voilà. Okay. Ouais, ça... On a parlé de on parlait tout à l'heure donc des pointures 45 et puis 60. Et jusqu'à présent, tu ne nous as pas dit exactement. Les fils veulent, c'est quelle pointure? Les gros. Il y a des spécialistes avec Tikimzama qui pourra répondre plus tard à ça. Vous avez de ton école. Vous avez des exemples qui viennent de ton école. Oui, mais c'est ça eux c'est toi qui l'as transmis le savoir. Voilà, c'est du combien? Alors si vous êtes un producteur de carrousel, écoutez ce plateau. On a quelqu'un ami, bonjour. Comment ça va? Ça va. On s'appelle comment? Marseille Caboret nous appelle depuis quelle localité? De? Alors Marceline, bienvenue, on t'écoute. Je vous ai installé seulement. Ah, c'est pour vous saluer seulement. Mmh. D'accord, merci. Marceline Caboret, bonjour. Alors, les filles t'envoient beaucoup de bisous, Marceline. Et Marceline, on demande si tu as du 32 ou tu as du 28.
Le Samo là. Oui. Il est en face de toi, oui. Il a porté des lunettes aujourd'hui. Il y a deux Samo sur ce plateau là. Laissez moi la fatigue, Marceline. Bonne journée, Marceline. Alors, non mais là, on prend ton avis sur le thème rapidement parce que là nous sommes en train de d'aller dans la fin de cette émission. Alors déjà pour moi je pense. Tout ça fait partie du showbiz en fait. Quand on dit le showbiz là, c'est tout ça. Un artiste peut même pas être normal. D'accord. S'il peut pas être normal comme façon vous voulez les voir là, c'est pas possible. Donc du coup, faut pas souvent voir les publications de certains artistes pour rentrer dans le jeu. Souvent c'est des trucs même qui sont ils sont ensemble et ils se clashent sur les réseaux sociaux. Ils mangent ensemble pendant qu'ils font des publications se clasher. D'accord. Toi tu vas prendre parti pour quelque part. Les gars ils sont assis, ils prennent leur verre. Après c'est un buzz. On peut faire que les gars là, bonjour. Oui, bonjour, moi c'est Jonas Ouedraogo. Monsieur comment? Jonas Ouedraogo. Jonas Ouedraogo nous appelle depuis quelle localité? 7h38. 7h38, c'est quel nom du quartier? Cambouessens, 38. Alors on apprend à la fois 38. D'accord, merci, bienvenue. On vous écoute. Voilà, je suis votre émission. Oui. Et tout à l'heure, à peine 30 minutes. Oui. Vous m'avez parlé des éphémérides, des éphémères là. Dindibdou. Voilà, c'est pas Dindibdou, c'est You. Ah, c'est You. C'est You. Ah. On ne marche pas le Dindibdou. Le Dindibdou, on ne marche pas. Ah. Okay. Bon, tout le monde, comme on s'entend le quatrième dans le récord. Tout le monde, on va le faire. Voilà, c'est You. Ah, Dindibdou. Ah, You. Le Dindibdou, c'est le plus petit, non? Pardon? Le Dindibdou, là, c'est le plus petit. Et le gros, là, c'est le You. Le You. Voilà, le gros, quand il pleut. Mm-hmm. Juste après la pluie, le You apparaît. Jusqu'à 21h. D'accord. Mais à partir de 21h, au niveau de la voie publique, vous allez constater beaucoup de You décédés. Voilà. La Dindibdou, là, ça, c'est quoi? Les petits. C'est peut-être des éphémères qui sont trop petits. Elles sont trop petites. C'est pas les mais est-ce qu'à Mazan, le You, là, peut mélanger les Dindibdou, là, ça, c'est la même. Les yeux sont généralement un peu gros. Exactement, un peu gros. Bien grâce. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'en mangeant les yeux, on peut tomber sur les dindibdou? Ah bon? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, il ne te ressemble pas. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais vous dire, merci. En tout cas, on va manger les yeux au nom des dindibdou. Ah, moi, j'ai demandé. La pierre, si j'ai trompé. Dans tous les cas, ils ont tout fait. Oui, alors rapidement, pour moi, c'est du buzz et il faut prendre ça du bon côté. D'accord. Voilà, avant de te passer la parole, il y a une commission pour Samu. Il y a notre réalisateur. Tu ne me passes pas la parole, c'est moi qui te donne la parole. Monsieur Samu, de la technique, Michel, je te dis, ton astuce que tu as donné contre les moustiques là, il souhaiterait que tu viennes pratiquer ça dans sa chambre en fait. Donc, parce qu'il dit, il y a tellement de moustiques dans sa chambre. Voilà. Donc, et c'est toi le messager. Oui, mais bien sûr. Oui, bon, on va prendre l'avis de Ivan Diabo par rapport donc au clash de parce qu'on est déjà à l'heure. Alors, clash, comme on l'a dit, c'est marketing, c'est, il ne faut pas que ça exagère. D'accord. Voilà, c'est, à la base, c'est le marketing, mais un marketing qui, lorsqu'il est trop débordé aussi, en fait, l'objectif, c'est d'attirer les gens sur une musique donnée, d'accord, sur un style musical donné, sur des personnes données, afin de développer leur communauté de base, leur communauté de fans. Maintenant, il faut savoir, plus on crée le buzz, plus la création doit aller en phase avec le buzz. On produit de la qualité, on fait un buzz, et les deux mis ensemble, ça nous fait de la valeur. D'accord. Mais en même temps, il ne faut pas déraper dans certains buzz qui dérapent aujourd'hui avec le cas Arafat. On voit que certains avec qui il était dans ce clash-là sont interdits à ce funérailles. Chose qui n'est pas intéressante lorsqu'on arrive à ça. Aux États-Unis, on a vu le cas Tupac, Amaru Shako et Biggie qui sont certainement dans la mort chaud au cimetière. Donc je pense qu'un buzz doit bien réfléchir, bien organisé et savoir s'arrêter là où il faut s'arrêter. Sinon, quand on exagère, ça devient négatif. Ok, merci beaucoup PDG. Adèle, on va plutôt te poser la question. Est-ce que tu as déjà fait un buzz avec ton artiste? Tu as déjà clashé un artiste ou non? Non, j'ai même pas
pas le temps pour est-ce ça. Est-ce qu'un artiste a déjà clashé sur vous? Non, plus. Parce okay. que je ne fréquente pas mes collègues. D'accord. Et pourquoi tu ne fréquentes pas? Parce que l'occasion ne se présente pas. L'occasion ne se présente pas. Sandrine Konaté, tu penses que c'est bien de se clasher? Non, bien sûr. Oui, non. Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Même quand tu es bien. Oui, 45-32, voilà, ne vous clashez pas, c'est pas bon. Alors, PDG, c'est tout pour aujourd'hui. Nous te remercions d'avoir accepté notre invitation. Nous te souhaitons une très belle journée. Merci à vous. Nous te revoir très bientôt pour d'autres aventures. Inch'Allah. Que Dieu guide et qu'il bénisse. Et qu'il bénisse encore Malik Alastamos, qui donne beaucoup de sous à la Fondation. Merci beaucoup. Afin de continuer donc à redonner le sourire aux personnes démunies. Merci beaucoup. Et merci à vous, téléspectateurs. C'est ici que l'on s'arrête. Rendez-vous demain pour un autre numéro de l'apéro déjeuner sur la télévision nationale de Burkina Faso. On vous embrasse. Bye bye. Ouais.